Salut à tous, on se retrouve sur Total War Rome 2. Donc je reprends exactement là où on s'est arrêté à l'épisode 1. Donc c'est parti. J'ai dit que j'essaierai de pas vous montrer la phase gestion, donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, juste vous montrer un peu ce qu'on fait. Donc en diplomatie, phase diplomatie cette fois. Allez, c'est parti. Bonne relation avec eux. Vous nous honorez, il y a assez de nourriture pour les deux armées qui vous attendent. Juste voir un truc. L'objectif. Ça fait un moment, en fait. Attendez, je vais baisser un peu le son général, pour que vous puissiez m'entendre mieux. Je l'ai dit à bas, hein. Voilà, ça devrait aller. Donc voilà. Soyez le bienvenu. Il s'atténa à nous rendre muets si nous osons mentir durant nos délibérations. Modéré. On va pas donner ça parce que au bout d'un moment je vais les attaquer, mais pour l'instant on va se faire des alliés. On va se faire les alliés et les tribales. Royaume de Tilis, d'accord. En guerre contre eux, quoi. En tout cas, pas pour l'un. Si. Donc voilà. On va se concentrer sur le royaume de Tilis, qu'on est pour l'instant en guerre. Et les autres, on verra après. Donc le plan de bataille, ça va être ça. Donc on va se faire allier les tribales. Parce que... Ah, quoique, neutre. Mais on a une bonne relation avec eux depuis toujours, donc on va faire ça. Pacte de non-agression, c'est bien. Bon voilà, on a un peu avancé déjà. Ces militaires. Rejeter, d'accord. On va pas aller trop vite, on va les laisser... un peu décanté. Ouais, juste la version culturelle, donc ça va. Dors. L'entropendu qui parle sans sagesse n'est pas la bienvenue. Soyez précis. Ah, Ardiae aussi. Ouais, ça c'est un bon allié, mon ami. Attendez, Hardy, aïe, ouais, Hardy, aïe. Alors, on a déjà... Oui, en effet, on a déjà bien avancé avec eux. Accès militaire. Ça va. Voilà notre centre, on va dire. Donc, deux alliés, deux bons alliés, et eux, peut-être qu'ils nous rejoindront plus tard. Voilà, donc c'est bien. Et après, quand on sera bien puissant, on leur donnera le statut de client. S'ils refusent, ce sera la guerre. Ils seront éliminés. Même si je n'aurais pas tenu mes promesses, mais je leur aurais offert, pardon, une chance de se rétracter avec le statut de client. Et peut-être qu'ils se feront tout à fait détruire. Nous verrons. Déjà, on a de très bons revenus. Excellent, même, je dirais. Donc voilà, on va pas trop recruter maintenant. Mon espion, je l'ai envoyé vers Épire, mais j'aurais pas dû, je vais en faire un autre. Ok, je peux pas. Augmenter votre infirmerie, bien sûr. D'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'Épire, on va s'en charger déjà aussi, après. Donc pour l'instant... on va se concentrer sur eux. Là on a amélioré l'ordre public avec ça.
Ok, bon, ça ira. Allez, on termine, c'est tout. Donc voilà, je reprends la série. J'aurai certainement un nouveau PC bientôt, donc voilà, je continuerai beaucoup plus les vidéos là parce que c'est assez long avec mon PC, même si c'est un bon PC, vraiment c'est un bon PC, mais il commence à dater maintenant. De toute façon, vous pouvez le voir au graphisme. Voilà, guerre déclarée, argent caché découvert. Donc guerre déclarée avec qui? Qui Odrissa Tribal. D'accord. Bon ben ça sont eux et eux là. On les aidera certainement. Ok. Il est moins bon déjà. Bon, de toute façon on va bouger avec lui. On va l'envoyer vers là-bas. Améliorer la cité. Ouais, ce serait bien d'avoir un bâtiment pour avoir plus de nourriture là par contre. D'accord. Il aurait fallu le détruire en fait, mais bon, ça donne déjà un peu de nourriture, donc on va le laisser pour l'instant. Et on va commencer à faire notre armée. Bon là l'ordre public s'améliore pas, mais après une fois qu'il y aura ça s'améliorera direct. Plus 4 d'ordre public par tour, en plus de l'influence de ces cultures, l'influence culturelle, donc c'est parfait. Hoplite, d'accord. Ah oui d'accord, on n'a presque aucun bâtiment militaire digne de ce nom. À part ici, voilà ici, on a les piquets, on est sauvé. Les piquiers et des frondeurs, c'est parfait. Là, on peut faire une armée digne de ce nom, pardon. En plus de la cavalerie, ben voilà. Ben là, c'est, on a une ville guerrière, là, c'est parfait. Piquier, ouais. Parfait, parfait. On va faire une armée. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais les mercenaires, je vous déconseille très fortement d'en acheter si c'est pour faire de la garnison. Car déjà ils valent le coup, ici c'est pas expansif, c'est même d'ailleurs des fois moins cher, mais en coût d'entretien, ça vous pompe, mais alors ça peut aller jusqu'à, je sais pas, il vous enlève moins de 100 par tour de revenus. Hein. C'est vraiment... Donc moi au tout début, je pense que vous le saviez, mais au tout début je m'étais fait avoir. Donc ça, les mercenaires, c'est vraiment à prendre quand vous n'avez rien. Vous n'avez pas le temps de recruter des forces et il y a une ville à attaquer. Et vu qu'on peut en recruter un peu partout, et ben vous prenez ça, une armée de ça, et ben ça vous fait une bataille. Après, sinon ça vous détruit les revenus. Vraiment. Voilà. Donc on va recruter des piquets en relais. Ouais, bon, c'est pas de la... Ils sont pas terribles, mais bon, voilà, piquer en vrai, c'est bien. On a déjà un, puis on va... Voilà, un frondeur. Et après, bon, c'est deux tours, on va laisser. Voilà. Déjà, ça me baisser les revenus par l'entretien de l'armée, mais c'est déjà pas mal. Ici. Ouais, donc, comme dans la précédente vidéo, je vous avais dit... tout ce qui est onagre et tout ça, sur la mer, c'est ravageur, hein, vraiment. Donc on va faire... De toute façon ici, oui. Pardon. Donc ici... D'accord. Donc ici, oui, donc il y a quoi comme ville? Ils ont une ville en fait, rien d'utilise. Vous pouvez aller par la mer, rejoindre la mer Caspe... la mer Noire, pardon, la mer Noire. Pardon, donc rejoindre la mer Noire. Il y a un fleuve aussi. Ça c'est intéressant, hein, quand il y a des fleuves, vraiment. Oui. Ouais, ouais, c'est intéressant. Bon, ils ont qu'une ville, en fait, le royaume de Tilis. Même pas une ville, c'est une colonie. En 2-2. Prochain tour, j'envoie l'espion. On va sauvegarder, parce qu'on sait jamais si ça bug. Surtout que j'ai mis des modes... qui ont des chances de faire bugger.
Donc je vous avais mis les liens dans la dernière vidéo, dans l'épisode 1. Donc c'est les modes qui changent l'apparence des généraux, ils ont une tête mieux qu'on va dire. Enfin ils ont un meilleur casque et tout, enfin plus stylé on va dire. Et aussi le mode Blood and Gore qui améliore les effets du sang et tout, ça vachement, je trouve ça améliore bien. C'est léger mais ça améliore bien. Et aussi pour les Romains, le même truc que ça. Et aussi le mode pour 3. Bon là je l'ai pas mis, c'est pas canon. D'ailleurs, je crois que 3 c'est son vrai nom. Je vais dire de la merde donc il vaut mieux pas. Mais je veux dire 3. Bon là 3 c'était bien avant, c'était en moins 700 et tout. Et là on est en moins 274. Donc je pense pas que c'est trop, c'est pas 3 ça. Mais 3 justement il se trouverait à l'emplacement de Pergamon dans le mode, donc voilà. Et en vrai aussi normalement c'est là. Excusez-moi, je ne connais pas bien cette histoire de Pergamon. Il me semblait que c'était 3. Mais je vais arrêter parce que je ne connais pas ce sujet. Je risque de dire de la merde. Donc voilà. Ici on peut. Non, on recrute rien ici. La milice hoplite. C'est une bonne infanterie, mais... Parce que c'est une bonne santé, une bonne armure, un bon moral. Par contre, les dégâts sont pas terribles. Et voilà. Sinon, ouais, non, c'est... On va dire que c'est... C'est la moyenne. C'est pas une unité de merde, mais c'est... moyen, voilà. Ah, mais regardez! Putain, je viens de découvrir un truc. On a le coût de combien ça va nous coûter... à chaque tour si on recrute cette unité. Donc ça c'est intéressant, je l'avais pas vu ça, vous voyez, parce que bon, on en apprend tous les jours. Donc les piquiers, ah ouais, 90 110, ouais d'accord, ça nous coûtait cher hein. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Allez, donc j'ai sauvegardé, on termine le tour. Donc là je vous montre un épisode 2 encore avec de la gestion, mais c'est vous voyez, j'espère que je vous apprends des choses. Donc l'attaque est imminente. Donc je vais vous montrer encore un peu l'aspect stratégique et après ça ira, je pense. Après je vous montrerai vraiment que les batailles parce que... Donc on a terminé ça. Ok, d'accord. On va faire ça. Ça va réduire le coût d'entretien et permettre le recrutement de champions. Donc pour l'ordre public, ça va être bien ça. Voilà. Allez, j'envoie l'espion. Je vous montre ça. Non, attendez, on va rien faire pour l'instant. On va juste le faire avancer. L'espion, pardon. D'accord, bon, il a une bonne armée, là. Même si c'est de la merde. Enfin... Guerriers traces sont bons. Bon, ne parlons pas des guerriers fidèles, c'est de l'infanterie d'élite. Sans libre enrôlé, ça va, c'est de la merde. Cavalerie légère, c'est bon quand même. Frondeur, c'est bon. Archer mercenaire, ouais, c'est des archers quoi, de base. Par contre, une défense aussi en bateau, pas mal. Guerriers fidèles, 90 guerriers fidèles, ça peut changer la donne. Sachant qu'ils recrutent. En garnison, encore une unité de guerriers traces. Après encore de la merde, deux unités de merde. Et après déjà aligné, donc ça c'est assez dur. Plus, bon après encore de moyens. Mais beaucoup quand même. Au moins 2000 hommes, j'ai envie de dire. Ouais, au moins 2000 avec les garnisons plus le bateau. Donc là on va mettre ça, contre-espionnage. Et je vous épargne la deuxième phase de recrutement. Je vous l'épargne. Donc voilà.
voilà, on va faire encore des frondeurs. Et encore une easy picky. Allez. La prochaine étape. Donc voilà, je vais vous dire au revoir pour cet épisode 2. Et l'épisode 3 sera l'attaque. Voilà. Donc merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si cela vous a plu. Et laissez un petit like. Voilà. Partagez pas forcément. Si vous avez envie. Et voilà. Voilà, voilà. Donc voilà. 3 fois voilà, 4 fois, 5 fois. On ne compte plus. Allez. Et joyeux Noël en retard. Mais salut à tous.